Harry est dans le labo du Dr. Connors. Je dois me dépêcher d'y aller. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 33, évidemment, de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2. J'espère que vous allez bien. N'oubliez d'ores et déjà pas le j'aime et le petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et on va direct continuer notre quête principale. Je peux vous dire qu'à mon avis, je me connais, tu te connais, on se connaît, ils nous connaissent. Ça risque de chauffer très 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 fort, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être... Oh, il y avait ça, mais ça c'était derrière, tant pis. J'aurais bien voulu commencer sur un petit crime, histoire de me mettre un petit peu en jambe. Mais écoutez, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, peut-être que cette quête ne sera pas si longue. À voir. Norman, qu'est-ce que vous fabriquez? Rendez-moi mon fils. Nous sommes ton fils. Regarde-nous. Nous sommes en bonne santé. Fort. C'est bien ce que tu voulais. N'est-ce pas? On peut t'aider! Où est passé le reste? Non, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On va pas tarder, faut le savoir. Je dois vous le dire. Harry n'est plus là. L'autre et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Mais vous pouvez encore arrêter le symbiote. Comment? En tuant son hôte. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. Waouh! Bon... Spider-Man, vous voyez la même chose que moi, j'imagine. De nombreux habitants de New York se font attaquer par ces choses. Je m'en occupe. Faites attention à vous. Ça, c'est de plus en plus tendu. Il manquait plus que cette météorite. Maintenant, il peut guérir le monde. C'est pas ce qu'on avait en tête. Ok. Bon... Là, qu'est-ce que je suis censé faire, les amis? Oh, waouh! Attends. Ok.
Là, je... Qu'est-ce que je suis... Il y a des crimes, quand même. Il se passe des choses, de ce que j'ai cru comprendre. Oh, waouh. Ah, par contre, ça crée de nouvelles prises pour toile. Bon, écoutez, on va faire ce petit crimes. Voilà. Parce qu'il faut bien, les potes. Il reste une place. Ok, tiens, une poubelle. Parce que c'est ta place, mon petit père. Ok. Mort. Ok. Alors, comment on peut savoir si... Aïe! C'est un coup en traite, ça. Ok, c'est bon. Toi, viens pas. Oh waouh, t'es si loin. Ok, c'est bon ça, non? Peut-être. Ah non, toujours pas. Il n'est pas mort. Voilà, là il est mort. Bon. Et rien à brûler. Parfait. Allez, on est parti donc. J'avais quelque chose de très intéressant. Et je parle, vous l'aurez compris. Oh waouh, c'est la première fois par contre que le jeu est autant transformé. Avec tout ça. Ok. Ah, attendez, j'étais persuadé d'avoir vu un truc. Non. Non, c'est moi. Ça doit être moi, les gars. Ça doit être moi. J'étais persuadé d'avoir vu un truc cool là. Genre un nid. Attention, les amis. Si vous entendez ce podcast et que vous êtes encore à Manhattan, restez à l'abri. Verrouillez vos portes. Barricadez-vous à l'intérieur et ne sortez de chez vous sous. New York va très mal, les amis. Ok, moi c'est pas grave, écoutez. On y va. Waouh, j'aurais tous éclaté la girls. Ok, on y va. Tiens-toi. Hop, je reviens un petit peu plus loin. Oh putain, ça. Allez, toi, c'est fini. Alors par contre, j'ai l'impression que les pouvoirs un peu anti-venom, je les ai beaucoup plus rarement que... Waouh. Hop, allez, ça on va l'achever du premier coup, comme ça on en parle plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est bon. En tout cas, pour l'instant. Sans toi, je sais pas ce que je serais devenu. Oh. Ces gens sont en danger. Bougez pas. Ok. Allez, on est parti, les amis. Ok. Putain, ils sont vraiment partout. Par contre, là, on est plus tranquille. Je pense qu'on approche, si vous voulez m'entendre, de, à mon avis, la fin du jeu. Parce que là, quand même... Mais ce qui est bien, c'est que regardez maintenant à Central Park, on peut utiliser l'étoile. Ça, c'est quand même méga cool. Ok, on va passer par là. Je pense qu'on va avoir quelques petits trucs à faire comme ça. Sont prêts absolument tout pour entrer. Gardez votre calme. Je m'occupe de ça. Ok. Voilà. Allez, ça dégage. Ok, ça c'est pas mal ça. Allez, c'est fait. Mais là, on va pas pouvoir faire ça toute la ville. Il est où Miles d'ailleurs? Allez, quittez mes petits pères. Dangereuse. Si vous n'avez nulle part où aller, le Fist vous accueillera. Toujours là quand il faut, Spidey. Miles, il faut qu'on parle. Tu m'étonnes. Il y a des nids qui surgissent un peu partout. Je t'envoie les coordonnées. Bien sûr. Fais gaffe à toi surtout. Ce truc... C'est du délire. Ok, par contre, New York comme ça, c'est vraiment giga stylé. Hein. Je te retrouverai, mon pote. Je sais pas ce que vous en pensez. Quelque part. Non, on le retrouvera jamais, hein, je pense, à mon frérot. Hein.
Là, malheureusement, ça me paraît compliqué, hein. Ça me paraît très compliqué, même, hein. Ok. Putain, c'est haut, en plus. On va passer par ici, au calme. Ok. Bon, 200 mètres. On a un petit nid, quand même, à droite. Ça, c'est cool, hein. On va pouvoir essayer de le faire. Mais avant, j'aimerais voir un petit peu ce que ça va donner, cette histoire de symbiote dans la ville. Ta tenue, c'est pas un extraterrestre? Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Ça rend bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Harry a pris la météorite. J'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on peut pas le sauver. Qu'il faut qu'on... Mais je veux pas le perdre, Miles. Je peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Sauver tout le monde. Elle pensait qu'aux autres. Même quand elle était à bout de souffle. Si May... mon père... s'ils étaient là... ils voudraient qu'on arrête de penser à eux. Ils voudraient qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Harry peut être sauvé. Et on va se battre pour le récupérer. À vos ordres, coach. Alors, faut qu'on se sépare pour couvrir plus de terrain. Tu trouves la météorite, et moi je nettoie les nids. Entendu, Spider-Man. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on est parti. On fait quoi là? On se fait un petit nid? On doit le dégager. Waouh. Ok, d'accord. Ouais. On va se faire des petits nids. Très bien, j'ai compris. J'ai compris ce qui était à la base des quêtes secondaires. C'est devenu des quêtes principales. Ça y est. Bien. Le décompte est lancé. Allez, venez les pères. Venez les petits pères. Tu rêves ou ça t'a fait peur? On dirait que j'ai mis le doigt sur un truc pour que tu sois autant sur la défensive. Okay. C'est chaud. C'est chaud. Très bizarre la tenue de Miles quand même, hein. On est d'accord. Je vais rester hyper concentré, les amis, pendant toutes ces phases. Je sais pas combien on va se taper de nids, mais tu sens que c'est déjà moyennement fun. Oh, waouh. Comment ça va, Spider-Man? On survit. J'ai presque fini de nettoyer le nid. Une semaine. Une minute, pardon, encore. Je les entends aussi. Continue de chercher cette météorite. Je me laisse pas te déstabiliser. C'est pas Harry qui parle. Ouais. T'as raison. Waouh. Appelle-moi quand t'auras fini. Reste concentré, Pete. Ok, je vous assure que... Oh, waouh. Ok. Waouh.
pas faire long feu. C'est long. Oh waouh. Plus que 10 secondes! Il faut que ça marche! C'est bon, c'est large, on est large. Ah. Ok, il y a un civil en plein sur le merdier! Littéralement. Oh, wow! Ça a marché! On a besoin de toi. Il est toujours là. On est un peu moins de plan symbiote. Ah oui, j'ai le pouvoir d'aller dedans. Mais qu'est-ce que... Je suis où, là? Tu es chez toi. Ça y est, tu es enfin à ta place. C'est ça qui arrive quand les gens se transforment en symbiote. Tu ne crains rien. Tous ceux que tu aimes sont à l'abri, ici. Ma tête! Il faut que je trouve une sortie. Pourquoi tu t'en irais? On est ici. Tu peux rester, toi aussi. Toi, Peter. Nous. Cet endroit est pas fait pour moi, Harry. Pour toi non plus. Allez, Miles. Allez. Laisse-nous te guérir. Livre-nous, Peter. Ça marche pas comme ça, Harry. Tu le sais bien. Amy? Qu'est-ce que t'es en train de me montrer? Allez, rejoignez-nous. La météorite. Elle est sous la station de métro de Harlem, à côté du pont. Ok. Ouais, je suis en route. Attends-moi, par contre. Harry, il en a après toi. Je dois aller aider Hailey. Mais attends, d'accord? Wow, une minute. Raconte-moi. J'ai été aspiré dans l'esprit de Ruche. J'ai une vision de la météorite, sous terre. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu crois qu'Harry est là-bas? Je plaisante pas, Pete. J'en ai seulement pour 10 minutes. T'y arriveras pas tout seul. Bon, appelle-moi quand t'es prêt. Désolé, Miles, mais j'ai pas de temps à perdre. Aïe, ça sent pas bon, cette histoire. Voilà l'entrée du métro. Miles doit avoir raison. C'est là qu'est la météorite. Faut juste que je libère ce pont. Restez tous dans vos voitures. Je vais m'occuper d'eux. Bah, y'a plus grand monde, j'ai l'impression, là. Harry. Ok. Oh waouh, le double coup qui fait toujours mal. Tu nous as trouvés. Ouais, j'arrive, mon pote. Aide-nous. Ça sent le piège, hein. Je sais. Tiens bon, j'arrive. Oh ouais, bon, c'est un piège. Ok. Ok, c'est totalement un piège. Essayer de l'achever du premier coup. Superbe. Ok. Allez, viens par ici. Il sort du tunnel du métro.
météorite est forcément sous terre. Venom! S'il te plaît, parle-moi! Il faut que je descende sous terre. Mais je peux pas abandonner ces gens! Je sais pas comment on va faire. Ça risque d'être compliqué cette histoire. Ok. Et toi? Ok. Groot, pas maintenant. J'ai pas le temps pour ça. Peut-être que... Non. Allez, Spider-Man, j'y ai presque. Ok. Harry! Allez. Tu m'entends? Toi. Normalement, t'es mort. Je te retrouverai, mon pote. J'arrive. Ok. Yeah. Ouh, c'est bon. Là, le tunnel du métro. Ça va être compliqué cette histoire. Hey, Hayley, elle est hors de danger? Pas encore. Mais je dois te faire attendre encore un peu. Bouge pas. Hayley. Non. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je voulais... Enfin, je croyais que tu... T'es incroyable. Je t'aime vraiment beaucoup, et je crois que tu m'apprécies. Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Genre... un rencard. Ça veut dire oui. Ok. Alors c'est noté. Mais seulement quand tout ça sera enfin terminé. Salut, c'est Harry. Laissez un message. Salut, mon pote. J'ai parlé au docteur Connors et... il dit qu'on peut plus te sauver. Et je sais que c'est faux. Harry... j'ai merdé. J'ai été le pire des amis. Ton rêve... notre rêve... guérir le monde... je suis désolé. Oh non... Ok... fragile ici. Peter, tu es là. Je suis là. Es-tu enfin prêt? Harry, je peux pas. Ok. Wouh! Je veux juste aider Harry. Spider-Man! Waouh! T'es descendu! T'avais raison! C'est sûrement ici! Il doit! Oh waouh! Ça brûle! Ouais, t'inquiète. Je vais trouver un moyen d'entrer. Tout va bien se passer! Tout le monde va s'en sortir! Là les potes, laissez-moi vous dire que c'est chaud. Faut que j'atteigne cette météorite. Je suis si prêt.
Waouh. Il y a un monde où je peux le faire ou c'est pas une chose. Allez. Allez, hein, c'est bon, on va casser des gueules. J'ai compris. Ah bah faut pas oublier ce mode. On s'en sortira pas. Ok. Bon, mais c'est infini ou quoi là, les gars? Je me dis que c'est peut-être pas infini. Là, ça a l'air d'être le dernier. C'est long. Ok. Harry, parle-moi. Alors, attendez, parce que là, ça peut être très intéressant. Peter, on peut... j'ai du point de compétence, les amis. J'ai du point de compétence. Ça, c'est quoi, ça? Utilise une barre de surcharge complète. Recharge les capacités. Incroyable. Ok. Bah là, ça me paraît pas mal, ça aussi. Très bien. Et là, malheureusement, j'ai déjà tout utilisé. J'ai plus rien à ce niveau-là. Peter, aide-nous, je t'en prie. On a besoin de toi. J'essaie, mon pote. J'ai juste besoin de cette météorite, d'accord? Bon, les amis. Miles, je vois pas de cailloux. Ah bon? Attends, je suis pas loin de toi. Merci d'être venu, Pete. Nous voulons te montrer quelque chose. Qu'est-ce que tu... Nous sommes guéris. Enfin libres. Nous pouvons faire ce don à tout le monde. Mais nous avons besoin de toi, Pete. Pas cool. Il faut pas rester là. Ça va, mec? Il faut qu'on appelle MJ. Je sais où est la météorite. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le MJ. Commentaire. À bientôt. Faut qu'on se rejoigne tous chez May. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Le symbiote est arrivé ici dans une météorite. Et il s'en sert pour transformer la ville. Je sais où elle se trouve. Et on va la voler. Faut trouver une stratégie. Ça marche. À tout de suite.